Une âme qui arrive dans l'au-delà. Attends seul. Son jugement particulier est juste. Le Seigneur nous dira-t-il : toi, tu vas en enfer ? Toi, au purgatoire ? Et toi, avec moi au paradis ? Non, non, pas du tout. Je suis désolée, mais je ne comprends pas bien comment on peut espérer recevoir la grâce du ciel rien qu'en la demandant à une peinture. Comment doit être malheureux quand on n'a pas la foi ? Les stigmates du Padre Pio, qu'il a porté dans sa chair pendant 50 ans, dans une grande souffrance physique et morale, sont liés au sacrifice qu'il a fait pour la conversion des pécheurs et pour le salut des âmes du purgatoire. La rancœur qu'entretiennent parfois ceux qui restent sur Terre à l'égard de ceux qui nous ont offensés et qui sont morts n'est pas neutre. Expliquez-vous, auriez-vous vécu une autre expérience surnaturelle ? Mais qui êtes-vous ?